Donc salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes là pour parler du sac Saddle de chez Dior et également des différents dupes que vous pourrez choper si ça vous va. Alors je vais prendre mon PC où j'ai fait la petite sélection du coup. Donc le sac Saddle de chez Dior est proposé en plusieurs modèles, plusieurs coloris, bien sûr que vous pouvez aller voir directement sur le site de chez Dior. Donc pour vous procurer un sac Saddle, il faudra débourser minimum 1000 euros et ça monte jusqu'à 6000, 7000 euros en fonction du modèle que vous souhaitez. Alors bien sûr, heureusement que les enseignes nous proposent des dupes abordables et assez sympa, donc on voit ça. Alors, donc on va commencer avec le modèle de chez Missguided. Donc Missguided propose un dupe en effet en imprimé animalier, donc super beau, super dans la tendance. Franchement, il est trop bien fait et il ressemble vraiment à un sac de chez Saddle, de Saddle de chez Dior. Et vraiment, il est top. Franchement, il est trop beau, trop bien fait. Le motif est super joli. Donc, il est disponible à 33 euros sur Missguided. Ensuite, on passe au sac chez Topshop. Donc, Topshop proposait, il me semble, deux coloris de sac. Un en rouge et un en noir ou en imprimé animalier, je sais plus trop. Malheureusement, Topshop ne propose plus sur le site le sac, vraiment malheureusement, parce qu'il est trop beau et moi c'était mon préféré en rouge, un beau rouge pétant, un beau rouge vraiment bien avec une belle forme et en imprimé croco. Il était vraiment super joli, donc je vais essayer de mettre une photo. Et j'ai pas retenu le prix, donc j'espère que Topshop remettra sur le site ce modèle là parce que franchement c'est mon préféré, il est trop bien. Donc ensuite on va passer au sac de chez ASOS. Donc c'est celui que j'aime un peu moins avec les coloris rouge, rose, etc. J'aime pas trop, mais enfin bon, ASOS vous propose un, il est disponible à 27,99€, donc ça va. Ensuite on passe avec le sac de chez Pretty Little Thing. Donc celui-là j'aime beaucoup la colorie. Donc il faut savoir que le sac Saddle, vous pouvez le porter aux épaules mais également autour de la taille. Donc sur Pretty Little Thing, on vous propose un modèle qui se porte autour de la taille et franchement, ça fait son effet aussi super. Donc il est à 28 euros. Ensuite, on continue avec le sac de chez Mango. Donc celui de chez Mango, au niveau de la forme, il ressemble pas trop au sac Saddle, mais il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui me rappelle le sac Saddle chez le sac de chez Mango. Il est noir, donc classique, la base, en imprimé, non pas imprimé, en effet croco. Super classe, franchement j'aime beaucoup. Donc Mango vous le propose à 29,99€ si je ne me trompe pas. Ensuite sur Boohoo.fr, donc j'en ai trouvé plusieurs sur Boohoo. Donc il y a le sac, un sac à 18 euros en motif serpent, également en motif zèbre qui est un peu plus cher à 29 euros. Et on a un autre modèle de sac un peu en couleur chair. Couleur chair, et donc celui-là il est à 18 euros. Donc voilà, il y en a pas mal. Les enseignes ont bien joué le jeu. Donc du coup voilà, dites-moi celui que vous préférez. Je pense qu'il y en a d'autres. Je vais essayer de voir si j'en trouve d'autres. Et de toute façon, les liens seront en barre d'infos. Dites-moi lequel que vous préférez. Moi personnellement, c'est celui de chez Topshop. Donc j'espère vraiment qu'ils vont le remettre sur le site.
Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.